اماتور باسيوني فروماج، السلام عليكم. اليوم الوجهة تاعي هي الى شلف، راح تنزور صديقي واستاذي محمد رضوان اللي هو سيتان ماتر فروماجي في لا سويس، ومعروف بمحمد كابرا، ومعروف كذلك بالمشروع تاعو مع ذاتي، حل حانوت تاع فروماج ارتيزانال اي برودوي دو تيروار كذلك في مدينة شلف. راح تنزورو وبنفس في نفس الوقت نشوف المحل تاعو هذا، فمحل جميل نظيف انيق وفيه الثقافة كذلك كما راكم تشوفوا. وكان عندي معاه حوار، وقبل ما نهضر على الحوار اكتشفت جبن اللي هو لوشاوي تاع سيرسو، واعجبت بزاف بهذا الجبن هذا ودرنا عليه ان توبو، واغتنمت الفرصة باش درت حوار وسألته سؤال. Pour répondre à cette très profonde et très intéressante question qui vient de m'être posée par notre ami fromager Yassine Chizhaoum, c'est il faut faire un constat d'abord, Khouya Yassine et chers téléspectateurs, c'est que en Algérie, la fabrication du fromage, c'est quelque chose qui a été déjà hérité par des générations précédentes. Les canaux, من قبل في وقت الاستعمار ومن بعد منا ربي سبحانه وتعالى منحنا ومنح الجزائر وكرمها بالاستقلال اللي ضحوا عليه والدينا وشهداء ربي يرحمهم ويتقبلهم في جنات النعيم. بقات une génération قديمه تخدم des fromages artisanaux très basiques. Mais pour répondre précisément à la question, le constat que je peux faire aujourd'hui, depuis 5 ans que je suis en train de sillonner un petit peu le territoire national et chercher des artisans qui font des fromages, j'ai été à leur rencontre, nous avons beaucoup d'artisans cachés. كاين اللي راهم في اعالي جبال جرجره، كاين في اعالي جبال لون شريس، كاين اللي في اعالي جبال تسمسيلت، كاين اللي في الظهره، كاين اللي سي سون ايباربيي ان بو بارتو او نيفو ناسيونال، وكل واحد فيهم عنده لي زوريجين تاع من وين جاب لا فابريكاسيون artisanal du fromage. Il y a avec le concept vieux d'aller chercher du lait, faire du fromage basique avec de la présure naturelle qui met le lait de la figue ou l'estomac du volaille. Ou la... Non, ils ont été cherchés. Il y a certains produits qui sont destinés à la fabrication des fromages, liés à la présure, que ce soit végétarienne ou animale ou microbienne. وتحصلوا على هادو لي فروماج. Ils ont été même allés faire des petites formations de courte durée. تعلموا فيهم كيفاش يخدموا دي فروماج. Ils font des choses de très belles choses. Hein, يخدموا حوايج شابين بالبزاف. كاين ناس مخبيين في الدشرات، كاين ناس مخبيين في دي بيتي فيلاج، كاين ناس اللي مخبيين dans des bâtiments dans les villes. وموجودين ويخدموا يفون دي بون فروماج. Que ce soit fromage de vache, de chèvre. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est le fromage de brebis, parce que nous n'avons pas de brebis, les medouna le halib d'une quantité suffisante, les medouna sta'amlo. Et le quatrième fromage, c'est le fromage du chameau ou de la chamelle. Parce que la fabrication, d'après les études que moi j'ai étudiées, du fromage ntal al-jmel, c'est très très compliqué de l'obtenir. C'est parce que la caséine bêta, qui est une des origines de la coagulation du lait, elle est absente dans ce lait. Mais à part ça, il y a partout des artisans, des petits artisans, les Rami Khadmo, ils font du fromage magnifique. Il y a même des semi-industriels qui se rapprochent un petit peu du côté artisanal, parce que ils utilisent des produits chimiques ou des ajouts conservateurs ou colorants. Ils utilisent du bon fromage. Et d'ailleurs, actuellement, les étals en Kainin où les fromages sont présents. Et je suis très, très, très fier de ça. Vous êtes sorti à la Moustakbel, le jubne taqlidi, fi bladna li hiya dzaïr. شوف انا نقول لك شيخ ياسين pour avoir un bon fromage faut avoir un bon lait pour avoir un bon lait il faut bien
traiter et mener son élevage de bêtes. Ça veut dire la vache ou la chèvre ou la brebis doit être dans un environnement mlih, tekul mlih, son côté ce qu'on a tahat qu'on est bien, les tablettes tahat qu'on est bien, la propreté, l'hygiène, le stress. Donc, on a un bon lait. Parce que quand on parle de fromage, surtout artisanal, on parle du tiroir. Donc, quand je vais manger un fromage à Chleuf, c'est pas ce que je vais manger à Alger, c'est pas ce que je vais manger à Tizi Ouzou, c'est pas ce que je vais manger à Betna, c'est pas ce que je vais manger à Tiéret. Donc, chaque tiroir, il y a avec le produit fini qui est un fromage, l'idda, la caractéristique de son tiroir. Et moi, je pense que j'ai été dans des endroits où une charab tahlib, où une stamel tahlib, où une fabrication de fromage, où j'ai reçu des fromages qui étaient déjà fabriqués par des artisans en utilisant certains laits. Ils sont magnifiques, extraordinaires. Le marché, il est vierge. Le consommateur, Rahou, assoiffé, il en a besoin. Apprécie ce genre de fromage. Et de là, on peut dire que Hana, en tant qu'Algériens, nous avons du potentiel, nous avons des artisans, les Andom avec la finesse de sortir un produit de qualité. Donc, le mustaqbal n'ta le fromage artisanal, بالنسبة ليا راح يكون زاهر ومزهر جدا لأنه العوامل كلها متوفرة والأيادي متوفرة et c'est vraiment vraiment un plaisir. وبعد هذاك الحوار عرضني الأستاذ محمد رضوان إلى une séance de dégustation. تذوق وذوقت معاه مجموعة من الأجبان وكان تذوق ماشي غير ندوق برك كان فيه معاها شروحات كان يشرح لي وتعلمت معاه بزاف الحاجات تعلمت معاه بوكو تشوز وعلى هذا نقول له أستاذي شكرا جزيلا ويعطيك الصحة وربي يخليك لنا بقاو على خير.